En Alsace, il y a deux choses auxquelles il ne faut pas toucher, c'est la cathédrale de Strasbourg et le Racing Club de Strasbourg. On a toujours dit que les deux personnes les plus importantes en Alsace, c'était le maire de Strasbourg et le président du Racing, c'est un peu vrai. Oui, je me demande finalement s'il n'est pas plus important encore d'être président du Racing que maire de Strasbourg. Alors, en tout cas, le président du Racing est souvent plus populaire que le maire de Strasbourg. Pour le supporter moyen, c'est notre club. Pour lui, c'est le club alsacien. On dit d'ailleurs « unser Racing », ça veut dire « notre Racing ». On n'a même pas besoin de dire « c'est le Racing Club de Strasbourg ». C'est un des rares, disons, phénomènes qui lie tous les Alsaciens. Le Racing, c'est un mythe. C'est une folie furieuse. J'ai toujours dit, pour un certain nombre de gens, c'est comme leur maîtresse. Il y a une passion, comme dans d'autres régions, il y a une passion pour d'autres clubs, mais c'est une région de football, et le Racing, c'est le club phare. Alors, on l'aime ou on le déteste selon les périodes, mais il laisse jamais insensible. C'est difficile à expliquer ce phénomène. Les gens, ils s'attachent à quelque chose. Ils ont peut-être des soucis dans leur vie privée, et puis avec le Racing, ils arrivent à se défouler. Le fait de sortir samedi, voir le Racing, ça leur fait oublier les soucis quotidiens. Le Racing représente quelque chose de très important pour l'Alsacien. C'est déjà de par sa situation géographique, entre l'Allemagne, la France, la Suisse n'est pas loin non plus. Gagner la Coupe de France, c'est quelque chose de super pour le supporter. Mais être champion de France, c'est le summum, quoi. Le Racing qui gagne, c'est une Alsace qui gagne contre les clubs ou les provinces voisines ou Paris. L'Alsacien qui a quand même, au fond de lui-même, beaucoup de ressentiments encore, qui a eu l'impression d'avoir été lâché pendant la guerre, tout ça, eh bien, par la France, quoi, par les Français, eh bien, là, il trouve matière à revanche. Et c'est ce sentiment, et il y a des sentiments de frustration, il y a un peu de tout chez nous. Et alors, peut-être que le football, ça met du baume au cœur. Depuis 1906, le Racing Club de Strasbourg soulève les passions. Cris de joie ou de dépit, ce club de foot bat au même rythme que la région qu'il a enfantée, l'Alsace. Au-delà d'un parcours sportif en dents de scie, ce club est bien plus qu'une simple association sportive. Il est un témoin qui a accompagné l'Alsace pendant près d'un siècle, vivant les mêmes drames, les mêmes passions et les mêmes joies. En 1966, les joueurs du Racing s'offrent une nouvelle Coupe de France et un nouveau bain de foule dans les rues de la capitale alsacienne. Un grand jour, hein ? Ah oui, c'est tout simplement formidable. C'est tout simplement extraordinaire. Un héros est plus qu'un héros, puisque c'est lui qui a marqué le but de la victoire. C'était le deuxième but cette saison, Pierre. Oui, c'est le deuxième, oui. Un but qui vous a fait pleurer. Oui. Vous en souviendrez ? À toute ma vie. Gilbert Gress, avant ce match, il nous disait, il le disait à tout le monde, il le criait sur tous les toits, 50% de chance pour Nantes, 50% pour Strasbourg. J'avais bien raison. Oui. Je pense qu'un match, je n'ai jamais joué d'avance, encore moins un match de coupe. La preuve, l'année dernière, nous avons éliminé des équipes qui étaient largement supérieures, comme Milan, Barcelone. Oui, un match de coupe, je n'ai jamais joué d'avance. Dans les années 70, le club fait la navette entre la première et la deuxième division sous le regard des entraîneurs qui se succèdent. Pourtant, c'est à la fin de cette décennie que le Racing va entamer une des plus belles pages de son histoire. Et puis voilà l'équipe du Racing championne de France. En 79, ben c'est le titre. Peut-être le seul et unique
que dans l'histoire du Racing, le fameux titre de champion de France, grâce à un entraîneur exceptionnel, Gilbert Grèce. C'était vraiment un événement sensationnel, formidable. Je pense que l'Alsace n'a pas connu, depuis la guerre, je ne pense pas que l'Alsace ait connu un événement qui l'a rassemblé autant que, ce titre de champion de France, que cette année, cette épopée du Racing Club de Strasbourg. Ça a été quand même quelque chose d'unique, d'extrêmement fort pour l'Alsace tout entière. Ça a été ressenti comme une victoire sur la France, sur le parisianisme. Les Strasbourgeois, les Alsaciens, là, subitement, se sont sentis beaucoup plus forts et reconnus par la collectivité nationale. Mais c'était un aboutissement d'un long travail, d'un très très long travail. C'est un groupe qui a grandi ensemble. Et donc c'est l'histoire un peu d'un groupe. Et puis c'est l'histoire aussi d'un entraîneur très fort qui nous a poussé, qui était un petit peu un de nos idoles dans les années 66. Après est devenu notre partenaire joueur dans les années 73 et finalement notre entraîneur. Donc c'est quelqu'un qui nous a demandé énormément d'efforts. Et puis alors on a dit souvent il n'y avait pas de vedette dans cette équipe. Moi j'en avais toujours dit, j'en avais 11 sur le terrain. C'était un football moderne parce que la star c'était l'équipe. C'était pas l'entraîneur, c'était pas le numéro 10 ou le gardien de but, c'était le groupe. Et quand on a un groupe comme ça, bien sûr, on est tous plus forts les uns que les autres, quoi. C'était aussi une équipe de jeunes avec 7 ou 8 Alsaciens aussi. C'est marrant que quand on regarde un peu l'histoire du club, on constate quand même une chose, c'est que chaque fois, l'équipe qui a marqué le club, c'était une équipe à base de joueurs de la région. Ça, c'est quand même un fait marquant. Regardez un peu en arrière, dans chaque équipe qui a gagné un titre ou une coupe, c'était une équipe à base de joueurs de la région.